Brigadier, dorerin dan di darandere, Brigadier Sabari. Lulelela, finishing. Finish setting up, not now. Bulelin lulalida, dorerin tararin. Lulelelin daranda. Didarindarin, dorerinda dodarandaran, didorundurun, lolele lolalala. Lololola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 l
Connectez-vous, appelez les autres, partagez si vous voulez, même si vous ne partagez pas. I don't give a damn. Depuis le mont Kilimandjaro, la visionnaire, l'élu des ancêtres, la femme qui donne toujours la vraie version, la femme qui a signé avec Vladimir Poutine avant que Bia ne signe aussi, la femme qui a vu depuis le 24 février, like nearly 2 months ago, l'anniversaire du comédien Zelensky. J'ai dit, Niamsiwa Cameroun dit que ça a cuit. Le divorce est prononcé. France-Afrique là, dans la sauce. Macron, dans la sauce. France-CFA, dans la sauce. Décryptage du live de Franklin Niamsi pour les nuls. Point à la ligne. Dicté sous le baobab. Oh, je suis quelque part dans le monde. Dicté sur le baobab, décryptage du live de Niamsiwa Cameroun. Ça a cuit. Dans le ndolé, ça a cuit. Dans la sauce gombo, ça a cuit. Oh, tu as pris les... Tu as pris quoi? Tu as pris les... Ma grande, what does that mean? Tu as pris quoi? Toujours cette belle femme. Toujours belle le matin, belle le soir. Belle à midi. Belle naturellement. Je veux dire africainement. Belle à la Rita Marley. Belle à la... What's that girl's name again? Say my name, say my name. What's her name? Tracy Chapman. Belle à la Tracy Chapman. Belle à la... Il y a encore quelle chante... Lauryn Hill. Lauryn Hill. Belle à la Lauryn Hill, dreadlocks kind of girl, roots girl like her. Mm-hmm. Belle le matin, belle à midi, belle sans make-up. Le make-up même c'est quoi? C'est des mascarades. J'ai dit, musée qu'est bandit. C'est à quelle heure le débat Macron, non? Donnez-moi l'heure, je veux l'heure du Mali. Je veux l'heure du Mali. Je t'aime, Mamouchka sous le baobab. Je t'aime aussi, Jenny Noble. Yami, Nyami, Hermine, Vivi. Bonsoir, mon Ventubandugu. Le coquille avec l'huile et le piment. Coquille, huile, piment. Je ne vois pas le nombre de personnes connectées, but it doesn't matter. Guy, Norvège, Bertrand, la princesse Jundé. Un salut depuis Oslo. Oslo, c'est où? C'est en Norvège? Oslo? C'est en Norvège? Belle à la lettre K, de grâce en plus. C'est à quelle heure le débat Macron-Marine Le Pen? Ayez le courage de soutenir Marine Le Pen. Je préfère une politique à la Marine Le Pen que l'échec de Macron. Écrivez ça à la ligne. Je vous ai dit, je vois ce que je vois sous le baobab, même étant debout, vous ne le verrez pas. Même étant dans les ovnis, objets volants non identifiés, that's what it stands for. OVNI veut dire objets volants non identifiés ou non identifiables, whatever way you want to put it. Anyway, ma question c'était où? Où est... À partir d'aujourd'hui, virgule, je parle en rouble. Moi, j'utilise le rouble. Poutine jusqu'à la gare. We stand up. We stand with Russia. J'espère que le volume est bon. Je décrypte un peu la géopolitique, la lecture de Niamsiwa Cameroun sur le traité franc camerouno-russe. Oh, russo-camerounais. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, ses pieds de quelqu'un peut devenir serviette de quelqu'un. Oh, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. Pour laisser pour que quelqu'un prenne, virgule, il faut avoir gardé pour que quelqu'un ne prenne pas. Point à la ligne. Oh, la dictée, il est quelle heure? Je veux l'heure de Bamako. Je veux l'heure de Ngouakele ou de Mbormeka. Salut, Bamoun. Ça, c'est Patrice Baumen. Hello. Poutinouchka. Poutinouch. Non, c'est pas Poutinouchou. C'est Poutinouchka. Et Mamouchka veut dire maman d'amour. Donc, pour dire Poutine d'amour en russe,
Je veux dire, j'étais russe. J'étais moi russe depuis, non? Mamouchka. Ça veut dire maman d'amour, maman adorée, maman ceci, maman cela. Donc, quand c'est. Maintenant qu'on Bia s'est converti. Maintenant qu'on Bia s'est converti à Poutine, on peut l'appeler Papouchka. Or, Biouchka. Or, oh my God, it's just so funny. I'm like, I'm having the time of my life. Salut, Miss La Plus Belle. You can say that again. Like, je suis belle et je sais. Beautiful and I know it. I was made that way, made to shine. Like, donnez-moi l'heure. C'est à quelle heure le discours de Macron, là? C'est à quelle heure le débat télévisé? Did you see my dreadlocks? Sincèrement, vous me préférez en root girl ou une touche de rebelle avec ma crinière de lionne. I can't even see Mosky le sage. Why are you crying? You look sad. No need to be. Connectez-vous, prenez. Moi, j'écris avec quoi? Je crie, je fais cette dictée avec le bic bleu. Le bic authentique. Prenez vos feuilles, double ligne, décryptage, virgule, de la coopération russo-camerounaise, point à la ligne. À quelle heure le débat télévisé présidentiel? Non, quand c'est bon, il faut avouer. C'est passé quoi? C'était une heure. Le live de Niamsiwa Cameroun a duré quoi? Je suis arrivée un peu en retard, malheureusement. Mais j'ai enjoy, j'ai savouré, j'ai suivi l'interlocution, j'ai suivi l'opération chirurgicale, j'ai suivi la touche esthétique, j'ai suivi le modélage, j'ai suivi la lecture Niamsik. Oh, avec delight, you know? Avec delight. Bonsoir, ma fille. Oh, Josiane Yakam. Bonsoir, ma fille. Yakam, c'est le nom de ma mère. Kamwa, le nom de mon père. Et Yakam, le nom de ma virginité à moi, ma sainteté. Parce que la mère africaine, c'est la divinité. Je veux dire, la maman en général, c'est la divinité. Et si pour vous, votre mère n'est pas sainte, c'est votre problème. Moi, ma mère, c'est mon havre de paix, c'est mon sanctuaire, c'est l'endroit où je me sens le mieux en protection. C'est l'endroit, c'est dans les bras de ma mère que je me sens en sécurité. Donc, c'est en Afrique que je me sens home. I feel home at home. Même comme partout dans le monde, j'y suis. Hein. Je suis très spirituelle. Donc, partout dans le monde où je suis, je me sens à la maison, je me sens ce moi parce que j'ai l'énergie, j'ai l'aura, j'ai le champ aurique, je n'ai peur, partout où je vais, je domine, partout où je vais, je gagne, partout où je vais, je suis en sécurité, partout où je vais, j'ai l'énergie d'embrasser, d'être protégé et de tirer le meilleur de chaque endroit où je vais. Donc je n'ai peur de personne, même en Russie, je me sentirais bien. Dictez à la ligne, vous avez vos feuilles. Les élèves têtus. Voilà un autre élève, il n'a même pas le bic. Madame, 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 mon bic est fini, madame. Moi, madame, moi, madame. Moi, madame. Dicté sur le baobab. Assimi Guata, virgule. Le lion du Mali, virgule. Assimi Goïta, virgule. Le nouvel empereur du Mali, virgule. Oh. Assimi Goïta, virgule. A signé le premier contrat russo-malien. Assimi Goïta, virgule. A dit à la France, vos bas billets. Oh. Assimi Goïta, virgule. A vu le danger à distance. La France s'est baissée. Assimi Goïta a vu.
L'heure là. L'heure, c'est l'heure du Mali. On ne peut que lire l'heure que l'heure juste. Point à la ligne. Question de texte. J'espère que les lolos de ça. Le mont Kilimanjaro. Trop belle sans make-up. I know. Et ça, c'est rien. I can do better. Je veux dire, I can be better. Oh, aïe. Donnez, Nyamsi wa Cameroun boit quoi, non? On lui a offert les épices sur le baobab depuis. Les épices ancestrales. Il est là, il fait son babillé. Je lui ai dit qu'il a les épices sur le baobab. Léa Magne, moi, j'écris seulement le nom des bavards. Léa Magne, oui, prends le nom de bavard et que chaque élève apporte un œuf. Pour qu'on fasse les cours de biologie. On va faire l'ADN des œufs. Qui a fécondé l'œuf de qui? J'ai dit aux Africains. Peuple du Mali, peuple du Burkina Faso, peuple de la Teranga, peuple du Sénégal. Même au Sénégal, ça a cuit. Au Sénégal, là. Ça a cuit en Angadef. Ça a cuit en Wolof. Il y a un buzz chaud au Sénégal. Macky Sall est en train de lire l'heure. C'est l'heure de Sonko. Et on descend encore un peu. On tombe au Tchad. Le Tchad encore, on peut mettre à côté. J'ai dit, l'heure est grave. La France-Afrique là est sous assistance respiratoire. La France-Afrique, virgule, compte ses dernières heures. Poutine, au début, avant de frapper l'Ukraine, virgule, le zombie, le stripteaseur, le comédien Zelensky, virgule. Poutine a mis la France, les autres pays en garde. Mais Macron a fait cougna, cougna, cougna. Vladimir Poutine va frapper la France. Un, France-Afrique dehors. Deux, on utilise maintenant le rouble. Trois, les traités vont sortir de table. 4. Le secret. Contrat confidentiel. Clause confidentielle. L'heure est grave et on va donner l'heure en rouble. On donne l'heure des Russes. Il est quelle heure en Russie? Encore. France n'est pas contre l'euro. Maintenant là, ça sera le rouble contre le dollar. J'espère que le volume est bon. Il est quelle heure en Russie? Donnez-moi l'heure, non? Franchement, ils ont des problèmes autant que ça. Moi, je ne vois même pas combien de personnes sont connectées. On peut aimer une femme comme ça, Dama. Romuald Tankou, tu m'aimes. Tu peux aimer quoi sur moi? Ezali n'a pas conteneur de femmes. Il est quelle heure en Russie? Moi, je veux l'heure. Il y a même quelle ville en Russie que j'aime. Je ne parle même pas de Moscou. Hein. Je parle de Saint-Pétersbourg. Je parle de Saint-Pétersbourg. Je parle de Dorcas Fosso. Hello, Dorcas. Mohamed Chini Chini. Imet Till. Mohamed Chini Chini, s'il te plaît. Beautiful like Africa. Exactly. Beautiful from the very early time. Do I need those Chinese lights? No. Do I need those American makeup? No. I'm purely and simply African. I feel like Julius Malema today. Qui a regardé la vidéo de Julius Malema? La lecture de Julius Malema. L'interprétation de la guerre géopolitique. Parce qu'en Ukraine, pour les nuls, c'est... une guerre stratégique géopolitique, c'est une guerre de position de tuyau, comme on dit chez nous, dans un coin là-bas au Cameroun. Le tuyau, c'est la position. La guerre en Ukraine, virgule, a été préparée depuis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous n'en voyez même pas les cœurs, j'en ai. Regardez vous-même la poitrine. Et je vous fais un live depuis le mont Kilimanjaro, depuis la terre de Nyamsiwa, Cameroun. Je vous fais un live depuis la terre de Soundiata Keita. Depuis la terre de Sankara, de Oum Niobe. Je vous fais un live depuis la terre d'Oufoué Boigny. Pas la terre de Ouattara parce que c'est un bandu. Je vous fais un live depuis la vision d'Ousmane Sonko, le panafricaniste.
Je dis, la religion de l'Afrique, c'est le panafricanisme. Point à la ligne. Je préfère une nouvelle alliance russo-africaine que le pillage franco-africain. Point à la ligne. Je n'ai pas encore mis point final. Je préfère une renégociation russo-africaine que la tricherie et la manipulation franco-africaine, gauloise africaine, franco-européenne, américano-africaine. You name it, I've got it. I don't give a damn. Like, do you like it, baby? Are you loving it, baby? Je ne te vois pas bien. Non, je l'ai fait sciemment. I don't want to put the light. Je vous fais le live depuis le mont Kilimanjaro. Et c'est une sorte de sunset. Sunset, c'est quoi? Coucher du soleil. Tout à l'heure, c'était plus clair. Maintenant, le soleil est en train de rentrer. On laisse la nature faire. So, je peux aussi vous offrir que c'est là, non? En Afrique, il y a des lestages. Et Néo a coupé la lumière, c'est nouveau. Hey! Je vous fais le live depuis Bamako, la terre de Assimi Goïta. Je vous fais le live depuis Ouagadougou, la terre de Sankara. Je vous fais le live depuis Niamey, la terre de Aïssa Diori. Je vous fais le live depuis Niamey, la terre de Aïssa Diori. Faites vos recherches. Je vous fais le live depuis le Gabon. Je vous fais le live depuis la terre de Marianne Gouabi. Je vous fais le live depuis Abuja, la terre des Yoruba. Je vous fais le live depuis Bamenda, la terre de John Gufoncha. Je vous fais le live depuis Johannesburg, depuis KwaZulu-Natal, depuis Pretoria. Je vous fais le live depuis le Liberia. Je vous fais le live. Oh, I love Africa, you know. It is true, I have the whole file. What file is that? Toute alliance avec Européens et pillage. Chez Mireille Muller. Hello Mireille, how are you? Tu n'as pas cité Marine Gombe. C'est qui Marine Gombe? Oh, Marine Gombe. Oh, depuis le Tchad. Oui, la terre de... J'ai aimé qui... Au Tchad. J'ai aimé Hussein Abré. J'ai aimé aussi Tombagbay. C'était Tombagbay ou something. Je vous fais le live depuis... La terre de Kadhafi, dont tu préfères Marine Le Pen m'en veut. Exactly, Yamin Yami. Exactly. Marine Le Pen is the best risk. Marine Le Pen. Attendez une seconde. I can put the light on from that end. I don't know. Yeah, better. You like it, baby. J'ai pas voulu allumer, mais quand vous êtes tellement picky, vous faites les caprices. J'ai pas voulu allumer, je voulais rester dans le noir. Je vais vous dire pourquoi je préfère Marine Le Pen, right? Marine Le Pen is the best risk. Et en suivant le journal l'autre jour, quelqu'un a dit, les Français, 30% de la population française n'a pas encore décidé. Ils attendent le débat télévisé pour se décider. But that's too stupid. C'est tellement immature. Comment vous pouvez décider, en moins de 2 heures de débat, de quel profil ou de quel président ou de quelle tendance ou de quelle trajectoire vous aimeriez donner à la France dans les 5 premières années? Je préfère Marine Le Pen. Un, ça va éveiller la conscience des Africains, les Africains suiveurs, les Africains opportunistes. Deux, les hommes, je veux dire les macronistes, les Sarkozy, les De Gaulle, les Jacques Chirac, les François Hollande ont montré de leur incapacité, de leur immaturité, de leur incompétence.
Il est temps que nous essayions quelque chose de nouveau. Et Marine Le Pen, c'est l'exemple. Pourquoi vous attendez toujours que les gens vous acceptent chez eux? Si Marine Le Pen aujourd'hui est nationaliste et elle ne veut plus des Africains chez eux, ça veut dire que en retour, in retrospect, ils vont libérer l'Afrique. Why are you scared? Why are you scared? Why are you scared? Why are you scared? Marine Le Pen prend le pouvoir, elle laisse l'Afrique aux Africains et elle garde sa France. Comme si ils mangent du camembert, ils mangent du gruyère, ils mangent tous les fromages, ils vont vivre de la. Ils vont traire les vaches, ils vont vivre dans des montagnes, ils vont vivre dans des collines. Je préfère Marine Le Pen. Macron, déjà depuis 2017, vous avez broyé du noir. Imaginez Macron à son dernier mandat. N'oubliez quand même pas que les 5 premières années, ça seront le dernier mandat de Macron. Et Macron pourra vous sortir le diable du trou. C'est déjà quelqu'un, un extrémiste, un homme, un médiocre et un cancre. Un médiocre et un cancre. D'accord? You can widen, ouvrez vos yeux, regardez un peu plus loin. Why are you so skeptical? Why are you so scared? Pourquoi avez-vous peur de l'avenir et de l'incertain? You need to be adventurous. Vous deviez être aventurier, avoir le goût du risque, avoir comment on appelle encore, on dit en anglais, l'adrénaline, la chute, une dose d'adrénaline, d'accord? Il est temps que nous prenons les choses en main, que la France reste à la France et qu'on nous laisse l'Afrique, le Cameroun, le Sénégal. Au moins, Macky Sall n'aura plus à aller se coucher derrière la France-Afrique. Au moins, Ouattara n'aura plus d'amis. Ouattara va plutôt se lever et gérer la Côte d'Ivoire comme on aurait voulu. C'est ça qui est la vérité. Prends tes cœurs, merci Solange. Justement, nous devons voter pour Marine Le Pen. I wish I was... Je peux me franciser en quelques secondes. Je peux me franciser en quelques secondes. Et pour les faux pasteurs africains, là, faites la magie. Rabababababashige et donnez le pouvoir à Marine Le Pen. Bande de suiveurs. Anyway, where was I? Imaginez un instant, je vais vous faire le récap. Le récap du live de Niamsiwa Cameroun, sa lecture, son interprétation du nouvelle alliance biaïste, Bia et Poutine. Imaginez un instant si Poutine pouvait avoir une sorte de... parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une politique qui est monopolaire, d'accord? Si nous essayons de donner la chance à chacun... Imaginez un peu la rencontre Poutine-Ouattara. Poutine va regarder Ouattara en face, là, vis-à-vis. Parce que ça parle à ça. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, là, ça parle à ne reste pas à l'étranger. Il va regarder Ouattara, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu quittes quand? Tu as deux mandats, tu ne changes plus la constitution. Nous devons promouvoir la démocratie, donner la chance à la nouvelle génération, ok? La bonne gouvernance, fin de la corruption, fin du franc CFA. Imaginez un instant l'alliance russo-africaine et que l'Afrique, qui aime toujours suivre là, qu'on adapte aujourd'hui, qu'on adopte ou qu'on accepte le rouble. Can you imagine? La France sans le franc CFA? Can you imagine? La France sans les ressources? Can you imagine? Catastrophe de ça. Dictée à la ligne. Devoir surveiller. Donnez la... Votez pour Marine Le Pen. I can't wait. Donnez la chance aux nationalistes. À l'extrême droite. Elle existe d'ailleurs. Aux néo-nazis. We don't care. Seuls les Africains qui n'ont pas la tête sur les épaules, qui n'ont pas le sang de Sundiata Keta ont peur. Je suis une Africaine qui s'impose. Je suis l'objet de convoitise dans le monde. Je suis arrogant de partout où je vais. Et cela s'est même vu d'ailleurs, même mes démarches sur le plan virtuel. Je suis arrogante parce que je me suis réalisée, je m'affirme et je m'impose. Surtout, je m'assume. Africainement, bien sûr. Il n'y a pas d'Afrique sans vraie indépendance financière, sans autonomie financière, sans identité spirituelle. J'espère que le volume est bon. Et si nous avons fait près de
des années, des centaines d'années de what is it called again, de francophonie et d'anglophonie, nous pouvons aujourd'hui apprendre le russe. Comme vous aimez toujours dépendre, parce que c'est une addiction, ça fait partie de votre ADN. Vous aimez toujours être des parasites. Vous n'aimez pas les relations de réciprocité. Vous n'aimez pas la réciprocité. Vous aimez toujours profiter des autres. Vous accrochez sur leur religion. Vous accrochez sur leur monnaie. Vous accrochez sur leur langue. Mais il est temps qu'on se débarrasse de la francophonie qui nous stagne, qui nous étouffe, qui nous épuise, qui nous ruine. Le divorce est prononcé. Et quand ton gars ne te gère pas bien, virgule, tape-toi un bon gars. Et Poutine, c'est pas un gigolo. Poutine, c'est le bon sugar daddy, like. Poutine, virgule, c'est le bon sugar daddy. Poutine, virgule, c'est le bon sugar daddy. C'est le sugar daddy que Maman Ndombe aime. Le genre de sugar daddy qui dit, oh, salut petite, tu roules en quoi? En Range Rover, en X6, je te donne un jet privé, sorry. Je te donne une sorte de yacht. Je te donne une île. That's what I'm talking about. Même par ego, le macho, le long viril, Poutine ne peut pas laisser Biya gérer le Cameroun, laisser le Cameroun dans un état de délabrement. Poutine va demander à Biya, mais je veux des projets. Tous les 6 mois, tu me rends compte. Arcelou, échangeur, progrès scientifique, des étudiants qui ont de la bourse, des docteurs, des ingénieurs qui sont formés et payés, des investissements, le blanchiment d'argent sur le territoire. L'argent de l'Afrique doit être dépensé en Afrique. Même nous pouvons aussi avoir l'oligarchie panafricaniste ou l'oligarchie camerounaise ou l'oligarchie ivoirienne, l'oligarchie sénégalaise. Il n'y aura plus les fuites de capitaux. Il n'y aura plus l'immigration des fonds. That's what I'm talking about. Que de vous pavaner sur la toile, aller vous embrouiller, vous empiffrer, vous engouffrer sous des publications à la con. Mais allez au moins donner un peu à manger à vos neurones, à votre cerveau. It's time to think. Je pense donc je suis cogité vivant. J'espère que le volume est bon. Cogité vivant. J'espère que le volume est bon. Cogité vivant, réfléchissez vivant. La lecture de l'heure, c'est au Kremlin. La lecture de l'heure, c'est depuis Bamako. La lecture de l'heure, c'est depuis Vormeka. La lecture de l'heure, c'est depuis Ziguinchor. La lecture de l'heure, là, c'est depuis Ouagadougou. La lecture de l'heure, c'est depuis Abuja. La lecture de l'heure, c'est depuis Lomé. That's what I'm talking about. Total nonsense. La dictée est bonne. Je peux prendre quelques-unes de vos questions. Bonjour, franchement, ni l'un ni l'autre, ma soeur, Macron, Le Pen. C'est à vous de voir, Karen Delis. Vous ne pouvez pas rester, comment on dit encore en français, rester sur le fence, on dit en anglais. Vous ne pouvez pas rester au milieu. You need to make your choice. Vous devrez choisir. L'heure est à la séparation. Soit tu es du camp des opprimés, soit tu es du camp des oppresseurs. Ça peut pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Et si vous tergiversez, c'est le prototype, c'est l'homme africain typique. Indécis, vivre dans le déni, la peur du changement. Changez et vous verrez. Travel the world, ouvrez-vous au développement, ouvrez-vous à une nouvelle aventure, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Agnès Boom, hello. Posez la question, je vais vous répondre. Je dis, choisissez Marine Le Pen. Il est quelle heure à Bamako ou est quelle heure au Kremlin? What time is it? Il est quelle heure là-bas? 19h moins. Is that correct? Anne Rose, Scotland. J'aime cette femme. Je t'aime aussi, Anne Rose. How are you? Tu es en Écosse? Tu es en Écosse, Scotland,
parles le gaélique? C'est fou, hein? Je ne vois pas les personnes connectées, je ne vois rien, mais je vois quand même les commentaires. That's even good enough. Je pleure mes proches. Emilienne Majou, je pleure mes proches. Je suis pour Marine. Je suis pour Marine juste pour moins payer les impôts. Ah, aussi, c'est à chacun de voir. Si pour toi, ton intérêt, c'est de payer moins d'impôts, why not? Voilà, au moins tu as l'une des raisons. Imaginez Marine Le Pen en train d'aller au Cameroun discuter avec Biya. It's not going to happen. On va la, nous là, on va la décapiter. Je veux dire, nous, les panafricanistes, les visionnaires, les élus, les leaders spirituels, parce que le travail que la maman Ndombe a commencé sur les réseaux sociaux, c'était la lecture panafricaniste et la vision ancestrale. C'était la géopolitique, la géostratégie. Mais malheureusement, j'avais une foule qui ne savait pas faire foule, comme avait dit Aimé Césaire. Une foule ignorante, une foule bénée, une foule qui vit dans une sorte de what is it called again? Une foule qui vit des pèlerinages à la Mecque et des les lectures des versets bibliques à la con. La tautologie et la répétition. Une foule qui était incapable d'allumer le cerveau et de réfléchir. Ça fait 7 années au moins de combat. J'ai dit, ça ne fait que 2 mois, on a commencé à bombarder l'Ukraine. Nous là, ça fait depuis 2012 que je fais de l'activisme. J'ai pris de l'âge, j'ai croupi sous le poids de la vision pour l'Afrique. J'ai croupi sous le poids de la vision ancestrale. J'ai croupi sous le poids. J'ai porté le manteau de l'élu des ancêtres et j'assume chacun de mes prises de position. Et c'est ça l'activisme. C'est ça l'activisme. L'activisme, c'est de prendre, d'oser, de penser pour soi-même. J'ai développé une idéologie, un courant de pensée. Je n'ai pas attendu que les autres viennent pour le faire. Je me suis démarqué. La religion en Afrique, l'homosexualité, l'islamisme ou bien l'islam en Afrique ou le christianisme. Oui, j'ai parlé de ça. J'ai dénoncé l'incarcération ou bien la déportation de Gbagbo à la Haye. Oui, j'ai parlé de ça. Et déjà le 24 février 2022, j'appréciais déjà. J'ai dit le premier hashtag, je suis pour Poutine, c'était sous le Baobab. Et les ancêtres en sont témoins. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. I've been there, done it, I've done it all. Je pense dont je suis. J'initie, j'active, je risque. La prise de position d'Assimi Goïta, nous avons parlé de ça sous le Baobab. J'insiste, je persiste. Surtout, j'assume. En France, une femme présidente, peu de chance. We don't care, we don't give a damn. Que vous donniez cela, c'était en quelle année déjà? À l'époque de Ségolène Royal, ou que ce soit Marine Le Pen. Nous sommes dans une ère où le gendre, ou le genre, ou le sexe ne compte plus. Il y a des femmes qui deviennent femmes, des hommes qui deviennent femmes, et des femmes qui deviennent hommes, les deux mélangés. I don't give a damn. Arrêtez de stéréotyper. Arrêtez le sexisme. Vous pensez que la femme est incapable de penser? J'ai dit, vous pensez que la femme est incapable de penser? Aujourd'hui, aux États-Unis, qui gère les États-Unis d'Amérique? C'est Kamala Harris. Qui décide, qui a décidé pendant pour l'assassinat de Osama Ben Laden? C'était à l'époque de Hillary Clinton. Qui avait décidé aussi à l'époque quand on bombardait la crise en Yougoslavie là? Et la crise d'Irak en Irak, là. J'ai dit avant, c'était Madeleine Albright, la secrétaire d'État. So you better just open your mind. Qui a géré l'Allemagne aujourd'hui d'une main ferme? C'était Angela Merkel. So you better just open your mind. C'est vous qui êtes coincé. C'est vous qui n'êtes pas ouvert. Et qui mène mieux le panafricanisme? C'est Clarisse Kamwala Mandombe. Il n'y a pas mon Dieu, je sais, je le confirme.
La femme qui ose dénoncer la polygamie, la femme qui dénonce le sexisme, la maltraitance de la femme en Afrique, la femme qui ose parler de la religion sans retenue et sans embâge. Dans la maman Dombé, c'est M-O-I, moi, la petite fille de Sundiata Keita. La femme qui, déjà au départ, faisait appel à l'esprit des ancêtres, qui parlait de la reine Zinga. C'est moi, en chair et en os. L'unique qui a donné vie virtuellement comment? La chancellerie, la chancelière allemande. Oui, après Helmut Kohl, c'était Angela Merkel. You want it or no? Et aux États-Unis aujourd'hui, c'est Kamala Harris. Et avant Kamala Harris, nous avons vu, c'était qui la femme à l'époque de George Bush? George W. Bush? Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, if I'm not mistaken, c'était une blague. Condoleezza Rice à l'époque de George Bush. Et après, on a eu Madeleine Albright. So, en France, vous êtes derrière. Et avant Marine Le Pen, nous avons eu Ségolène Royal. So, it's not like something new. Très belle. Pourquoi vous aimez toujours réduire mes interventions à mon physique? Si j'étais moche, vous n'allez pas suivre. C'est une façon de toujours chosifier et me rabaisser à mon physique. I got better things to offer. Why always referring to the way I look? Belle ou pas belle, it's not important, is it? Je ne suis pas là pour ça, je ne fais pas un concours de beauté, je ne suis pas en train de faire Miss Perfection, je ne suis pas en train de montrer le visage le plus parfait, même comme je sais, sur le corps là, vous pouvez peut-être trouver des petits trucs à dire, mais sur le visage là, c'est parfaitement africain. Les traits de la beauté divine africaine, ça, sans, je ne discute avec personne, c'est l'heure juste, parfaitement parfaite, cheveux crépus. Née bien dessinée, je dis Cléopâtre incarnée, la reine Isis, la déesse Isis, l'Afrique belle et arrogante, orgueilleuse, riche aussi. Vous n'allez quand même pas venir tout le temps, oh, tu es belle, tu es ceci. Listen to what I'm talking about, my idea. Je ne suis pas là pour me faire apprécier, j'ai dépassé cet âge-là, je suis en train de je suis dans la deuxième phase de ma vie. Arrêtez de dire je suis belle, je suis très belle, très lisse. Alors, non, c'est très sexiste. Je n'attends pas votre approbation, votre appréciation. Vous direz ça à Marine Le Pen? I doubt it. Vous direz ça à Ségolène Royal? I doubt it. Vous direz ça à Madeleine Albright? Vous direz ça à Angela Merkel? Arrêtez de dire je suis belle. Ça me sort de partout, ça m'irrite, ça me saoule. Ça m'énerve, ça me dégoûte. Je suis pas en quête de personnes pour des likes ou pour des c'était un fait. Est-ce que tu n'es pas belle? I was born that way. Lionel Kamga, ma maman, je vous aime aussi, non? Je vous aime. Voilà que j'avais un tué le courant de mes idées. On parlait de quoi déjà? Je dis français, non française, français. Vous avez chassé les Napoléons, vous avez chassé les rois, la balai décapité. Débarrassez-vous de Macron. Si vous donnez la chaise, vous donnez encore la 5e République à Macron, virgule, vous allez lire. Il va vous faire ça dur. Il vous a amputé. Il a envoyé la police française est devenue une sorte de comment on les appelle là? La Gestapo. Une sorte de chasse à l'homme. Macron, c'est lui le dictateur.
Et si vous aimeriez un peu une issue favorable à la crise ukrainienne, donnez la chance à Marine Le Pen pour la voir à l'office, la voir au pied du mur. Vous le dites si bien, il y a quoi? Une sorte de maxime en française qui dit « Le maçon est jugé auprès du mur, au pied du mur ». Mais donnez le mur à Marine Le Pen, donnez à Marine Le Pen la chance de prendre les décisions républicaines. Donnez la chance à quelqu'un de l'extrême droite de gérer la France sans seulement développer les théories qui vont rester couchées sur les bouts de papier. Are you not curious? Je suis curieuse, ça me tarde de voir de quoi les Le Penistes, ou bien comme certaines personnes le déclarent d'ailleurs, qu'elle s'est délepénisée, si elle a délepénisé sa politique, essayons un peu de voir quelque chose de nouveau. Pourquoi laisser toujours Macron une tendance déjà maîtrisée? Try something new. Just be adventurous. Soyez aventureux. Try something new. Margaret Thatcher a dit en politique, si vous voulez des discours, voilà, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Quand vous éduquez une femme, vous éduquez le monde. You can tell me about it. I've been there, done it, and you know it. So, Anne et Philly, or Anne et Philly, whatever, c'est mieux Le Pen. Tu veux que je le dise en quoi? En Wolof, en Bambara, en Soussou, en Mina, en Betty, en Bété, en Djoula, en choisissez Le Pen. La communauté, la force diasporique, choisissez Marine Le Pen. La politique, c'est pas le noir, c'est pas du tic-tac. Choisissez Le Pen, n'ayez crainte de rien. Donnez la voix à Le Pen. Chassez Macron, il a montré ses limites. Essayez quelque chose de nouveau. Ayez un autre gars. Quand votre gars ne vous gère pas bien, cherchez un autre gars, vous sortez avec. Soyez aventureux, même sur le plan sexuel. Explorez des choses nouvelles. En Bahamas. La révolution vous a dépassé. Laissez, pardon, le combat à quel niveau? Je suis pour Marine Le Pen. Exhalez. La fille Ndumba, la fille Ndumba, il y a trop de laxisme. Oui, de laxisme en France, on n'est plus en sécurité. Moi, c'est surtout l'Inkassa qui veulent imposer leur religion. Mon ami, sous le baobab, on en a parlé. J'ai développé cela depuis la meilleure vidéo à l'époque qui avait fait près de 300 000 vues. À l'époque, je veux dire, à l'époque, avant que les faux pasteurs, les Gédécons, les macrosos, les coachs à la conne, là, les coachs avaient leur visage, on dirait le Djoudjou Kaloba, les masques du Bénin et les masques du Djoula, là, les coachs sans sens, n'envahissent la toile. On avait parlé de ça. Dieu, c'est pas la religion. Dieu ne peut pas s'enfermer dans une religion. Ces extrémistes de l'extrême droite spirituelle, je veux dire dans les religions, là, virgule, sortez des mosquées et des églises. That's the end of it. Dès que vous rompez, dès que vous coupez ce cordon ombilical, dès que vous coupez cette chaîne de dépendance spirituelle, mentale, c'est un début, c'est une renaissance, c'est l'éclosion, c'est le départ. Pour ceux qui peuvent, moi je l'ai fait depuis. Je suis africaine même dans ma spiritualité, africaine même dans ma lecture de la géopolitique, africaine dans ma gestion, dans mes relations internationales, africaine dans mes relations humaines, africaine dans ma vie privée, africaine dans ma vie de femme, africaine dans ma maternité. Ça veut dire on respecte la nature. Je suis en fusion avec la terre autour de moi et en harmonie avec l'esprit de la nature. Et tu ne peux pas parler de la religion, quelle que soit cette religion, virgule, sans repère. Votre repère par rapport à l'islam, c'est quoi? La Mecque.
Vos repères par rapport au christianisme, c'est quoi? Bethléem, Jérusalem. Mais mon repère à moi, par rapport à la spiritualité africaine, c'est d'abord ma terre et l'humanité. La nature aussi, d'abord d'ailleurs. La terre qui nous a donné la vie et la terre qui recevra nos restes. C'est fondamental, c'est la fondation, c'est pyramidal, c'est pharaonique, c'est divin. It's not rocket science. Vous n'avez pas besoin d'une thèse en théologie pour comprendre. Si vous allez déjà vous faire initier, vous apprendre à réciter, vous apprendre, vous imposer, vous ne mangez pas à 15 heures, vous ne portez pas ceci, vous couvrez les cheveux, vous ne couchez pas avec cela. Un homme peut avoir 3 femmes. On peut coucher avec les filles de 8 ans. On peut coucher avec les femmes de 12 ans. Vous ne voyez pas que ce sont déjà des sortes de dictats? On vous empêche. C'est comme si vous avez un téléphone, let me just put it this way, right? C'est comme si vous avez une carte mémoire d'une capacité de je ne sais moi trop quoi, de 155 000 gigas ou whatever. Une carte mémoire qui peut enregistrer infiniment, mais on vous impose les religions ou la stricte pratique de l'islam, la pratique stricte du christianisme. You are not using your full potential. Vous n'utilisez même pas les 1/10 de votre capacité spirituelle. Vous savez ce dont l'être humain est capable en termes de spiritualité, que d'aller s'asseoir quelque part dans une mosquée et qu'on te répète les mêmes versets matin, midi et soir. Oh my God! Rhétorique de ça, répétition de ça, pap, 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 pap. Chaque jour, vous allez à l'église, on cite les mêmes versets pour avoir le bon mari. Je lave ceci pour chasser le démon. Pendant que l'Ukraine, je veux dire, l'extrême droite est en train de créer maintenant l'autre axe politique en Ukraine. Les Modia et les Babie sont en train de suivre les Gédécons, les Macrosso, les Tunasi, Zelensky a commencé par la comédie, il a été stripteaseur, heureusement il n'a pas ouvert une église orthodoxe. Les Tunasi continuent à chanter dans des églises à tue-tête. À l'époque c'était Joshua, après nous avons eu les Gédécons qui crient dans les rues d'Abidjan, les Macrosso qui ont pris possession des moutons sur la toile. Macrosso n'a rien foutu de sa vie. Qu'il essaie aussi de prendre le destin de l'Afrique en main. Qu'il aille prier pour que cesse la guerre en Ukraine. Moutonnerie, là. Moi, on peut être bête comme ça. J'ai dit, oh, il prie tous les jours. Ils ne peuvent pas aller prier pour que la guerre cesse en Ukraine. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas garder ce live. Je garde ce live, Facebook va encore bloquer mes comptes. Mes comptes qui ne me servent à rien d'ailleurs. Allez, je prends une dernière question. Posez-moi une dernière question, and then I'll go. Moi, j'aimerais écouter, j'aimerais suivre le discours le débat télévisé. Je n'ai rien à apprendre de ça. Je sais, je connais les outcomes. La matière. S'y connaît, coach. Yemale. Je ne coach pas. Oh là là. La critique, ce n'est pas une insulte. Oh! I was meant to take my tablet now. La critique, virgule. Il épouse sa mère, hein. Ça sent quelque chose. What is that? Le problème n'est pas la religion, mais les faux pasteurs. Lionel Kamga, le problème c'est la religion. Get out of there. You need to get out of there.
Le problème, c'est la religion. Vous n'aimez pas toucher le nerf de la guerre. Les pasteurs de quoi? Les pasteurs répètent à tue-tête les déversies, le livre, le recueil de mensonges que forme la Bible ou le Coran. I'm gonna be back. Il dit quoi là? C'est quoi la question? Quel âge tu as? C'est important? J'ai 55 ans. Bientôt, en décembre prochain. Figon a volé l'argent de sa femme. Qu'est-ce que tu en dis? Hello? Oh, je suis pas quoi. Je suis conseillère matrimoniale, moi. Je suis coach des relations. Et vos coachs à la con, là, qui sont elles-mêmes des divorcées, des femmes qu'on a frappées, battues, ressuscitées dans les mariages, qui viennent aujourd'hui conseiller des gens sur Facebook. Allez poser des questions à vos coachs qui ont souffert dans les mariages et qui sont allés se consoler dans les églises. Parce que pour parler mariage, il faut avoir souffert. Moi, je suis heureuse. Je ne sais pas comment un homme peut manger l'argent de sa femme. Communauté des biens, question. Je n'ai pas les données pour donner. Je n'ai pas les données, je n'ai pas les éléments qu'il faut pour apporter une sorte d'analyse concrète et précise de la chose. Vous pensez que les idées, ce que je pense de cette relation, ne sera que le reflet du quapato, une analyse quoi, superficielle et non objective, subjective? Spontané, une sorte de spéculation. J'ai dit, vos coachs là, qu'on a battu dans le mariage, traînés comme ça au sol, et elles ont dit amen à leur mari. Quand vous voyez leur front là, dur, on dirait le foutu mal pilé. Vos coachs qui ont souffert dans le mariage aujourd'hui et qui aujourd'hui s'autoproclament coach des réseaux sociaux, des femmes qui ont souffert. Je dis, quand vous voyez même leur intervention, elles sont coincées, des coachs frigides. Dites-leur ça, passez-leur le message. Je dis, les coachs frigides. Matin, midi, soir, le mougou, on a mougou, on n'a pas mougou, on a mougou. Des femmes qui parlent mari, mari, matin, midi et soir, on les a traumatisées dans leur mariage. Aujourd'hui, là, elles arrivent sur les réseaux sociaux pour donner conseil de mariage aux gens. Qu'est-ce que tu en sais? What do you know? Do I even got a clue? Tu te bases sur quoi pour me donner les conseils sur mon mariage? Tu connais les tenants et les aboutissants? Le parcours, mon histoire, l'historique, mon projet, ma vision, mon vécu au quotidien? Vous voyez des coachs frigides avec leur visage foutu avec les grumeaux dedans. Des coachs constipés chez elles, là, elles ne parlent pas. Encore, elles ne veulent pas montrer leur mari. Qu'elles montrent leur mari, on voit. Babie. Encore, ma vie privée. Toi, tu as une vie privée et c'est ta bouche qui est dans la relation des gens tous les jours. Et les moutons sont là en train d'envoyer, de répéter à tue-tête comme les Mamadou Ebineta, récitation sous le mangue, le papayer, dans un coin de ma cour, babiel. Si moi j'étais mari de quelqu'un, tu écoutes ta part de babiel de coach, tu viens chez moi, tu parles, je vais arracher ta dent. Encore Figon a pris l'argent de sa femme. I don't give a damn about it. Il peut prendre même toute sa femme s'il veut. Who cares? La femme qui est arrivée la dernière fois, elle chantait Kouemé, Kouemé. You are the living God, you. Is there no one like you? You are my healer, you are my keeper.
My restorer, my life giver, you are the living God, you. Zambe, no one like you. Okochi onukuchi. Okochi onukuchi. Oliliku, omowashie. Oliliku, kiringeme. Omokochi onukuchi. Yedi, elle a chanté comme ça là. Et c'est un bas bien, un homme coulé, moche, visage crapaud, visage requin, dents de caïman, bouche de facochère, lèvres d'hippopotame là. J'ai dit, Joshua, le monsieur, le prophète ou ses prophètes Nabandi, Naba Joshua là, il est parti, on n'a rien dit. Mais après la mort de la sœur Onashi, Onashuku, Onashi là, Onakwa là. C'est là que j'ai dit, quand tu les appelles sous le baobab, Mamouchka veut les vues, Mamouchka cherche les vues. Les vues de quoi? Dis-moi qui tu te fréquentes, je te dirai qui tu es et tes limites. Nous sommes la crème de la crème, l'élite panafricaniste des visionnaires, des femmes leaders, des femmes qui maîtrisent leur vie, qui n'ont pas besoin de coach, des femmes qui n'ont pas besoin de religion, mais qui font dans la spiritualité. Can you see the difference? You know what I mean? Hello? Did you get my point? Idiot. Vous avez des coachs frigides, femmes battues, constipées, tapées dans le mariage comme ça, 40 ans après, elle est obligée de rester. Des coachs qui ont les mapanes. Si tu es coach, tu laisses ton mariage pour voyager toutes les 15 minutes. That's the question. Tu es coach, toutes les histoires de Facebook, ta bouche dedans. Tu gères ton mariage quand? That is the question. Tous les buzz de Facebook, tu es dedans. Toutes les histoires et les appels de ta leçon, tu es dedans. J'ai dit, ton mari là, il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de do et de don'ts. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de respect. Idiot. J'ai dit, dans une relation, je dis une relation équilibrée, healthy relationship. Le mari te dit, ma chérie, il n'y a pas de life. Et tes discussions à la con sur Facebook, là, ça ne marche pas avec moi. Ça ne rentre pas dans mon agenda. Ce n'est pas ce que j'attends de ma femme. Tu n'es pas devenu l'objet. Et les barbiers sont là, ma mouche, qui est jalouse. Jalouse de qui? C'est Cube Magie là qui fait publicité. Sinon, celle-là, oh, connaît sa valeur. Je dis, hey, oh, vous avez vu Diamant Babadé là? Oh, c'est de ça qu'il s'agit, Lily Kotchou. Pour savoir que tu es en danger, il faut ne pas être en danger. Quand tu sais que tu es en danger, tu sais que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le bon mari, les femmes frigides qui ont fait 15 ans de mariage et n'ont jamais atteint l'orgasme, un orgasme mutuel, plaisir d'être aimé, bonheur du mariage, communication. Quand le mari entre là, il se cache sous le lit. Avec la venue de Facebook là, pourra, un coach divorcé, un coach battu, coach violé, coach tapé. Encore, telle personne a volé l'argent de sa femme. J'en ai rien à cirer. Je n'étais pas là au départ. Je ne viendrai pas maintenant à la fin de l'histoire. Tu as volé l'argent de ta femme. I don't give a shit. It's none of my business. Je voudrais être l'unique personne de ta vie. Je remercie. Je quoi? Ta vie, le remède de tes douleurs. What does that mean? What does that mean? What does that mean? Être le remède de mes douleurs? Il n'y a que moi pour supporter mes douleurs. Il n'y a que moi pour subir ma tragédie. Il n'y a que moi pour, je dis, même l'anesthésie, là. Prends la douleur de façon temporaire. Là, non, l'anesthésie t'endort au point où tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Mais dès que tu sors de l'anesthésie, ou bien dès que les effets de l'anesthésie s'estompent, virgule, écrivez ça, c'est une science
une biologie ou des interventions chirurgicales hein, que je veux vous partager avec vous. Dès que les effets de l'anesthésie s'estompent, virgule, la communication entre les nerfs, la communication entre le cerveau, le corps, les membres, les organes s'installe encore et tout recommence. Vous recommencez à ressentir des douleurs. Et même si vous voulez tuer ou bien vous tromper en devenant des narcodépendants, en essayant de vous droguer, cocaïne, héroïne, méthamphétamine, drug abusers, dès que les effets s'estompent là, dès que ça baisse, vous revenez à la réalité. So the best thing to do for me, mon conseil serait que ayez le courage d'affronter les difficultés, les adversités de la vie. Et si la vie était aussi douce, aussi parfaite, elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue, vous voyez. Calmez-vous. Encore, je suis mariée, encore, j'ai l'argent, encore, je tiens les sacs Louis Vuitton. Vous croyez que les femmes des riches, là, elles ont le temps de publier sur Facebook? Vous pensez que les multimilliardaires, des garçons qui ont touché de l'argent à l'époque, comme les DJ Drogba, Mario Balotelli, à l'époque, j'ai rencontré aussi qui à Londres, Alex Song, Adebayor, Eto'o, ces multimilliardaires, les Cissé, les Girard, les Mourinho, vous pensez qu'ils n'ont pas de femmes chez eux? Vous pensez franchement que les multimilliardaires, vous avez vu Georgette Eto'o venir et publier son sac MS, son tout à Fendi, son dernier parfum Angel, que des petites parvenues qui ont été surpris par un peu de notoriété facebookique. Elles reçoivent 20 000 euros, c'est eux qui font du bruit. Vous avez déjà rencontré qui, là? Quelle personnalité personnalisée marcher dans les rues d'Abidjan et partager de l'argent? Il n'y a que des parvenus pour le faire. DJ Drogba ne le fera jamais. C'est quoi le nom du garçon, là aussi? Série Dier ne le fera jamais. Serge Aurier ne le fera jamais, que je sache. Qui d'autre? Alpha Blondie est riche. Youssou N'Dour est riche. Je pense pas que Youssou N'Dour dans les rues à Dakar là marche et partage de l'argent. Il y a que des petits nouveaux riches qui ont peut-être 100 millions, 200 millions, 300 millions sur leur compte. Certains n'en ont même pas d'ailleurs. Il a 1 000 euros, 2 000 euros. Il suivit, on le surprend, il achète une voiture et du coup le maudit qui dormait affamé se croit riche quoi. Vous voyez? You like it, hein? You like it, Carol, Dadinana, hello, Martine Chenge, Janine Longwe, Roland Blanco. Moi, j'ai commencé à t'aimer juste comme ça. Je ne sais pas comment expliquer. Voici mon numéro. Ça, c'est Roland Blanco. Ah, et il m'aime depuis le 237. Depuis le 237. C'est pas grave, c'est mieux d'aimer. Moi-même, j'aime des gens en cachette. J'ai le crush. I fancy people. I do fancy people. Donc, si je suis t'as pas de crush, il n'y a pas de problème. It's not a big deal. Continue à m'aimer en cachette ou bien en souffrance. Moi-même, il y a des gars que je vois comme ça, j'ai dit, oh my God. On me sert ce gars dans un plateau, je mange cru. Genre, je suce jusqu'aux os. Pendant qu'on dort dans l'obscurité. J'ai dit, oh, vous là, des Africains, je veux dire les Camerounais, parce que la Côte d'Ivoire, étude de comparaison, il n'y a pas match quoi. La Côte d'Ivoire est quand même est à 20% au-devant du Cameroun. J'ai pitié des Camerounais parce que c'est comme si on arrivait aujourd'hui, on disait aux Camerounais, voici comment vous devriez vivre. Genre, paix, belle maison, belle voiture, connexion internet, peut-être à 5 000 francs seulement le mois et vous avez une consommation ou bien un contrat, what is it called again? Le package illimité,
Le Camerounais aura du mal à s'adapter à la facilité. Le gars est habitué, donc la douleur, c'est dans leur ADN. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, comme prenons le cas du Mali, right? Au Mali, on n'a pas de nordistes, de Bamileke, de Yaoundé, de Guelfis, de Anglo, de Bamileke, you know? Those type of bullshit, ça n'existe pas au Mali. Ils ont l'esprit de la communauté, ils ont l'esprit d'un seul peuple, ils ont l'esprit du changement, ils ont la vision. Aujourd'hui, au Sénégal aussi, ils sont en train de tribaliser la révolution. Ils tribalisent la lutte. Il crée les fractions dans la communauté pour qu'il n'y ait pas un soulèvement communautaire unique et social, une prise de conscience sociale, je pourrais encore appeler ça comme ça, you know? Et c'est déplorable. Le Camerounais adore la souffrance au point où, ok, ma batterie va bientôt finir, je vais couper bientôt ma batterie. Je ne vais pas quand même aller charger le téléphone pour continuer. I'm sick and tired. Ce live n'était pas prévu. J'ai fini le live de Niamsiwa Cameroun et j'avais envie de me connecter et de parler. Anyway, what was I talking about? Je parlais de quoi? Le Camerounais a le syndrome de Stockholm. Yeah? Le gars tellement, et il adore, le Camerounais a les signes cliniques des personnes traumatisées qui adorent la souffrance, les masochistes. Il présente les signes cliniques des psychopathes narcissiques masochistes. Donc, je suis sûr que si nous avons une vision, je veux dire un leader camerounais qui arrive aujourd'hui et fait les choses contrary, à l'opposé de ce qu'ils ont connu, les gars ne vont pas, ça ne va pas marcher, ça, ils seront déconnectés de la réalité. Restez dans votre délestage, restez dans votre vie chère, restez dans la consommation du riz ou des poissons pourris, restez dans un enseignant qui travaille 12 ans, 15 ans, il n'a pas de salaire, on ne peut voir ça que chez les Camerounais, les Biamorounais. 12 ans, tu enseignes sans salaire. Like, why? Tu enseignes quoi? Licencié et chômeur. 12 ans, tu enseignes sans salaire. Pourquoi? Mais utilise ton cerveau. Tu as fait l'école normale supérieure. On t'a dit quoi? De devenir un zombie? L'école normale supérieure, là, c'est le centre de dressage des cons. On vous dresse l'abattoir. 12 années, tu enseignes. On ne te paye pas. Oh, je vais charger le téléphone si comment. Je pouvais continuer encore quelques lignes. I cannot bring it here. Oh my God, how can I do that? Ça ne peut pas parce qu'il faudrait que je passe le câble en bas pour faire le live, you know? Vous ne pouvez pas être un enseignant d'école. J'ai vu un autre en pantalon serré. Il a porté l'ensemble. Je ne sais pas, comment un enseignant en 2022 peut s'habiller en trois pièces carrelées? How do you do it? How do you do it? 2022, un enseignant sous un soleil torride, dans un temps de température qui frôle les 45 degrés à l'ombre. Le gars s'habille en ensemble et il parle de ses primes. Bac plus 5. Bac de la stupidité, oui. Bac de l'idiotie. Zombification. Diplôme de la copie.